渡してくれよ。 Yeah。Aujourd'hui, la victoire est indispensable, sinon c'est l'élimination. On se retrouve pour le coup d'envoi. Ça fait du bien de se retrouver tous ensemble ici pour ce match. On n'est pas n'importe où, on est à Hambourg au Volksparkstadion, dans la cabine donc de commentateurs, à mes côtés et pour vous servir, Omar Da Fonseca. Dernière journée de phase de groupe pour cet Euro 2024, la République tchèque affronte la Turquie. Pour espérer aller loin dans une compétition comme celle-là, c'est important de ne pas laisser des points en route et d'essayer d'être le plus régulier possible pendant les phases de groupe. On va jeter un œil sur la compo tchèque. La formation 3-5-2, c'est ça le cauchemar des Carrioleurs. Ça repose toujours sur le gros travail des latéraux. Alors, on va découvrir la composition de la Turquie. Une disposition 4-5-1, ou plutôt une sorte de 4-3-3. C'est une disposition plus offensive que l'on a l'air. Et donc début de cette première période. Arda Güler. Une bonne opportunité à jouer là-dessus. Et voilà, un face-à-face plutôt très bien négocié par le gardien. Il n'en laisse quasiment aucun angle. C'est bien fait de sa part. Ouais, bon pressing, ce ballon est perdu et ils vont pouvoir se projeter en attaque. Tout ira. Barak. Ah, il y a un bon pressing. Alors on va scruter sa performance de près, mais on peut s'attendre quand même à un gros match de sa part. Sa caractéristique, on la connaît. C'est sa lucidité, sa précision, son aptitude à être dans le bon endroit avec le geste juste. Ses qualités de finition te donnent une grande sérénité. Chalchara, ça débute mal avec cette grosse occasion loupée. Il veut rapidement oublier ça, hein, pour ne pas se mettre à douter. Même si le doute est l'élément clé de l'intelligence. Ferdi Kadioglou. Abdul Kerim. Il y a du soutien en attaque.
par-dessus. C'est dangereux, ça. Eh oui, il y a la place pour un bon centre. Facile dans les bras du gardien. Doudera. Chanchara. C'est un ballon intercepté. L'action se poursuit dans le camp adverse. Très bonne frappe, mais elle manque la cible. Très bon timing sur cette interception. Alors il y a faute, mais l'arbitre fait signe de continuer, laisse l'avantage. Et l'arbitre qui revient à la faute finalement. Aktürk Koglu. Ouais, bien joué, pas de faute là-dessus. Zeki Çelik. Ouais, du soutien là pour attaquer. Un ballon rendu à l'adversaire. L'action se poursuit. Et Okorkan ! Oh, il est chaud ! Quelle parade il vient de faire ! Corner. Ah, une intervention pleine d'à-propos sur ce corner. Le ballon ne lui échappe pas. Attention à ce ballon. Ah, il y a encore danger. Ah, le ballon écarté de la zone dangereuse. Oui, c'est bien défendu. Allez, peut-être, pourquoi pas, le danger là. Possibilité de tirer. Ah, et superbe défense. Çağlar Soyuncu. Arda Güler. Gökçü. Ouais, bonne circulation là pour déstabiliser la défense. Ouais, le bon geste défensif pour couper l'attaque. Une grosse opportunité, attention. Goal ! Et voilà le premier but de ce match. Celui qui fait beaucoup de bien au mental. La pression était redoutable, épaisse, difficile, mais le talon était léger. La balle est libérée. Golazo! Le match qui reprend, la République tchèque doit vite réagir. Coup franc, faute signalée par l'arbitre. Gökçü. Ah, il s'est bien défendu, le ballon est récupéré. Ah, une bonne contre-attaque peut-être. Petit ballon par-dessus, c'est bien donné. Et la parade, dingue, quel arrêt! Quelle présence, surtout quel réflexe! À vous pourtant, c'est exceptionnel! Et voilà, c'est le moment pour faire un changement. Ballon dans la surface. Excellent marquage de la défense, cette tête est sans danger. Et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse. Attention à cette passe. Le drapeau est levé, position de hors-jeu.
et nous aurons droit à 2 minutes de temps additionnel à jouer. À Turkoglu. Et cette passe n'est pas bonne du tout. Et voilà, on n'ira pas plus loin. C'est la mi-temps. On sent que tout va bien de son côté. C'est un très bon match de sa part. De l'espoir, de la chaleur, de l'ambition. Son but marqué en première période offre l'avantage à son équipe. Et c'est très important pour la suite du match. L'arbitre vient d'indiquer le début de cette deuxième mi-temps. Place au jeu. Ah, et l'équipe peut jouer le contre. Le ballon donné dans le dos. C'est le moment de déclencher. Et voilà, c'est un nouveau but. Ce but qui vient leur offrir deux longueurs d'avance. Ce n'est pas vraiment un duel. C'est une gifle qui finit au fond des filets. C'est pas une jambe. C'est une catapulte. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Barak. Oh, il s'est bien servi. Et le duel tourne à l'avantage du gardien. Oui, il s'est bien mis en opposition, ce qui a permis de bien bouger les angles des frappes. Ah, ça bouge dans l'équipe avec ce changement réalisé par l'entraîneur. Arda Güler. C'est récupéré. Oh, bon pressing. Ferdi Kadioglou. Ah, il y a un contre à jouer maintenant. La défense peine à se replier là sur le contre. Kökçü. Le but, un troisième but d'écart. Leur domination est écrasante. On le revoit ici, le 1 contre 1 est parfaitement négocié. Le défenseur est battu au départ. C'est lui qui maîtrise l'objet de nos rêves. Rassemble ce qui est difficile, éclaire ce qui est obscur. Et le score s'aggrave un peu plus, 3-0 donc. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Il faut apporter le danger maintenant. Et il vient fixer dans l'axe. Très bien défendu là. Et il s'est donné en profondeur. Et le drapeau qui se lève là sur ce bon ballon en profondeur. L'appel n'était pas excellent. Et oui, il faut prévoir pour savoir et savoir pour agir. Et voilà, le changement s'effectue. Adam Lojek. Et oui, la bonne passe en profondeur. Ah, il n'est pas bien donné ce centre, c'est capté facilement. Oh, pas terrible ce ballon, rendu directement aux adversaires. Face à face avec le gardien. Et l'action se poursuit. Oui, le réflexe là, avec ce ballon. Et le staff décide donc de faire un changement.
Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. Et c'est reparti, nouveau corner. Jurasek. Allez, il faut l'aider, lui proposer des solutions. Ah non, finalement le ballon est perdu. Köpcü. Touche à venir. Et le changement va donc avoir lieu. Et les voilà en possession du ballon. Arda Güler. La balle est interceptée. Et le pressing pour intercepter ce ballon. Il va falloir déclencher là. Oh la parade! Exceptionnel au Gourcade. Cornea. Aucun souci là pour la défense. Ballon dégagé. On a bien fait la différence qui est faite là-dessus. Voilà le bon geste défensif. C'est contré. Bon Barak. Elle frappe en force à mi-distance. Il y avait de l'idée, vraiment. Barak a l'occasion de faire parler sa frappe. Et voilà ce but. Un but en fin de match. C'est déjà ça, mais au point où on en est, c'est sans doute insuffisant. Frappe surpuissante. On le revoit sur ces images. Et quelque part, on se dit que c'est mieux hein, que le gardien ne se soit pas interposé. Il a pu conserver l'usage de ses mains. Et avec ce but inscrit, ça fait 3-1. Arda Güler. Ballon intercepté. Oh là là, le tacle glissé, mal maîtrisé. Coup franc à venir, évidemment. Et peut-être un avertissement aussi. Et l'arbitre brandit le carton jaune sur cette faute. Tout à fait mérité, bien obtenu à mon avis. Ce ballon est finalement intercepté. Intervention défensive, le ballon en touche. Zeki Çelik. Et il y aura 3 minutes de temps additionnel dans cette rencontre. Arda Güler. L'attaque se poursuit avec de l'espace dans ce couloir. Et c'est une frappe! Et la belle parade là. Doudera. Ouais, bonne progression, balle au pied. Et l'équipe tchèque est éliminée de l'Euro. C'est une immense déception pour tous les supporters qui rêvaient évidemment de voir mieux. Leur prestation a été fade, sans relief, sans éclat. Il faut mettre plus de vie dans leur jeu. Et on a réellement apprécié sa performance, vraiment très intéressante. Une prestation individuelle pleine d'efficacité offensive, mais aussi de fantaisie. Un but et la victoire finale, son but était très chaud pendant tout le match.
here for the riddle. Maybe just a little. Jump in the middle, eyes on me like I'm blown in the whistle.